le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État. En outre, il fait observer qu'au terme de l'ordonnance du 25 janvier 2019, le prévenu Kamere Lokaningini Vital a été nommé directeur de cabinet du président de la République. Il en résulte que les deux prévenus prénommés sont respectivement investis de la qualité de personne chargée d'un service public et d'agent public. Par ailleurs, pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de certains biens, c'est-à-dire d'une nature donnée, et que les dix biens aient été confiés à la personne qui les a détournés. Ainsi, il ressort de l'examen de la disposition légale y afférente qu'il est question des deniers qui ont été remis ou confiés à l'agent public ou assimilé qui les a détournés, et que cette remise ait eu lieu à raison des fonctions officielles ou de l'emploi dont il était investi. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que les sommes détournées soient entre les mains du détourneur, mais il suffit qu'en vertu de sa charge, il exerce un certain pouvoir sur les dites sommes. Cour suprême de justice, RPA 89, du 20 janvier 1984, dans le bulletin des arrêts de 1980 à 1984, Kinshasa 2001, page 436 et suivant. Le tribunal fait observer que dans les cas sous examen, sur instruction du prévenu Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État et superviseur du programme d'urgence des 100 jours du président de la République, le ministre des Finances a ordonné le paiement de 57 500 000 dollars américains au prévenu Sami Jamal. En effet, outre ses propres affirmations, les témoins Henri Yav Moulang et Deogracias Mutombo, respectivement ministre des Finances et gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, ont confirmé les instructions du prévenu Kamere tendant à payer en procédure d'urgence le prévenu Sami Jamal, d'autant plus qu'en vertu du communiqué qu'il avait signé en date du 25 janvier 2019, aucune dépense publique en dehors de celle relative aux rémunérations ne pouvait être effectuée sans son autorisation. Il suit que la nature des biens détournés, comme la détention préalable des dix biens par les prévenus, sont sans équivoque. En plus, la doctrine enseigne que la loi exige que la victime du détournement soit l'État ou ses démembrements. Dans certains cas, il peut s'agir d'une personne morale semi-publique. Boni Chizungu, les infractions de A à Z, édition Laurent Nyangezi, page 309. Le tribunal fait remarquer que, dans le cas d'espèce, c'est l'État qui se plaint d'être victime du détournement, étant entendu que les fonds détournés par les prévenus sont sortis du trésor public, d'où la constitution de la République démocratique du Congo comme partie civile. Il en découle que cet élément exigé par la loi pour que l'infraction sous examen soit établie n'est fait l'ombre d'un moindre doute dans le cas d'espèce. Relativement à l'acte incriminé, la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel qui caractérise cette infraction. Aussi, entendons par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée. Il y a détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination et est sorti de la droite voie. Boni Chizungu, Obsite, page 310 à 311. Ainsi, dans le cas d'espèce, le tribunal fait remarquer qu'il ressort tant de pièces du dossier que des dépositions des témoins Henri Yavoulang et de Grace Mutombo, précédemment identifiés, que le Trésor public a décaissé du 18 mars au 21 mai 2019 la somme de 57 500 000 dollars américains en faveur de la société Samibo Israël pour la fourniture de 1 500 maisons préfabriquées. Seule la somme de 8 668 852 000 dollars américains qui a été effectivement transférée du compte de la susdite société logée à la Robank aux fournisseurs des maisons préfabriquées se trouvant en Turquie. Le reste, soit 48 831 148 dollars américains,
ayant pris une destination autre que celle à laquelle il devait avoir. En effet, les pièces du dossier qui du reste corroborent les dépositions faites par le prévenu Sami Jamal, tant lors de l'instruction préjuridictionnelle qu'au cours des débats aux audiences d'instruction, révèlent que les retraits de fonds ont été opérés sur les susdits comptes dès le lendemain du premier approvisionnement par la Banque centrale du Congo, lesquels ont atteint 35 millions de dollars américains, alors même que le prévenu, sans en donner une justification solide, cohérente et incontestable, s'est limité à affirmer qu'une partie de cet argent a été expédiée par des canaux informels en Turquie pour la commande faite aux fournisseurs. Il suit qu'aucun doute ne persiste sur l'élément matériel sous examen qu'est le détournement. Enfin, la loi retient l'intention criminelle pour que celui-ci soit puni. À ce propos, la doctrine dit que cette infraction exige l'intention. If you manage a team, you have to try Monday.com. Monday.com is a platform to track everything. Frauduleuse ou méchante qui est réalisée lorsque l'auteur agit pour procurer un bénéfice illicite, soit à lui-même, soit à autrui. Mineur, obsite, page 322. Aussi, a-t-il été jugé que l'infraction de détournement réclame comme condition la détention précaire des biens mobiliers en vertu d'un titre conférant à celle-ci et exige ensuite par l'acte infractionnel la translation frauduleuse par détournement ou dissipation de cette possession précaire en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Cour suprême de justice, RPA 22, du 1er février 1973, in odon sumu obsit. Il a également été jugé que la preuve de l'intention frauduleuse de l'infraction de détournement est établie soit sur base des présomptions graves, précises et concordantes, soit sur base des présomptions déduites des contradictions dans les explications du prévenu, tant à l'instruction préparatoire qu'aux audiences, soit aussi sur base de présomptions résultant de la non-justification concluante des sommes détenues à titre précaire. Cour suprême de justice, RPA 26, du 4 mai 1974, Inodon Sumbu, obsit, page 76. Dans le cas sous-examen, le tribunal note que le prévenu Sami Jamal n'est pas en mesure de justifier la destination prise par la somme de 48 831 148 dollars américains sur les 57 500 000 dollars reçus, alors qu'il reconnaît que plusieurs retraits allant jusqu'à 35 millions de dollars ont été ont été en possession précaire, en possession définitive au profit de l'auteur ou d'un tiers. Il a également été jugé. Ah non, ça c'est déjà pris, non? Non, le cas sous-examen. C'est déjà dit. Oui, alors qu'il reconnaît que plusieurs retraits allant jusqu'à 35 millions de dollars ont été effectués soit par ses enfants, soit par son beau-fils, soit encore par d'autres personnes qui tous n'ont rien à voir avec la commande de 1500 maisons préfabriquées pour lesquelles le trésor public a décaissé ses fonds. Dès lors, l'intention criminelle dans son chef ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais il ne pouvait arriver à ses fins s'il n'avait pas reçu une aide indispensable du prévenu Kamere. The team's coming back! Yay! Whoopee! Hooray! No, they're not. They're using Monday.com to manage their project. Lokaningini Vital, qui, en vertu de ses charges, directeur des cabinets du président de la République et unique superviseur du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, est seul, en vertu du communiqué officiel du 25 janvier 2019,
habilité à autoriser les dépenses publiques autres que celles relatives aux rémunérations, a littéralement et délibérément violé les prescrits légaux sur les marchés publics. En effet, alors que le contrat attribuant le marché de fourniture des maisons préfabriquées à la société Samibo, conclu en avril 2018 avec le ministère du Développement Rural, pris à la personne du témoin Justin Bitakwira, responsable d'alors du dit ministère, est tombé caduc, son avenant n'ayant jamais été conclu, faute d'autorisation de la Direction générale de contrôle des marchés publics, le prévenu Kamere a ordonné, au mépris des règles impératives en la matière, le décaissement en procédure d'urgence et sur les réserves de change de la somme de 57 500 000 dollars américains en faveur de la susdite société. À cet effet, le tribunal relève qu'au terme de la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public, aucun marché public ne peut être régulièrement conclu s'il n'obtient l'avis de non-objection de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Bien plus, le prescrit de la dite loi proscrit le paiement intégral du prix avant que le prestataire s'exécute. Cependant, il ressort des pièces du dossier et des dépositions des témoins Justin Bitakwira et Michel Ngongo Saloum, directeur général AI de la susdite direction, que le contrat conclu en avril 2018, régulièrement du reste, car ayant obtenu toutes les autorisations requises, n'a jamais été reconduit, contrairement aux allégations du prévenu Kamere, qui s'y accroche pour légitimer ses actes. Ainsi, son intention frauduleuse découle également de sa volonté de gérer ce dossier en toute opacité. En effet, alors qu'il a soutenu pendant son audition au parquet et devant le tribunal des séances qu'une supervision composée des ministres sectoriels, des ministres des Finances et Budget, ainsi que du gouverneur de la Banque centrale, était mise en place à la présidence de la République pour agréer le projet de 1500 maisons retenues dans les programmes d'urgence du chef de l'État, le témoin Bitakwira, ministre du Développement Rural d'alors, a déclaré n'avoir jamais été invité à la présidence de la République pour prendre part à une telle réunion. Aussi a-t-il ajouté que c'est le secrétaire général de ce ministère, le témoin Georges Koch, qui avait pris part à certaines réunions. Entendu, ce dernier reconnaît avoir pris part à deux réunions, mais dont l'objet était l'approvisionnement des milieux ruraux en eau potable et l'aménagement des routes de dessertes agricoles. Il n'a donc jamais été question de maisons préfabriquées. Bien plus, contrairement au soutènement du prévenu Kamere, lors de son audition devant le ministère public, le témoin Koshi a déclaré n'avoir jamais représenté le ministre Bitakwira à une réunion de la supervision du programme d'urgence à la présidence de la République. Pour leur part, les témoins de Gracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo, Henri Yves Moulang, Pierre Kangoudia et Thomas Louaka, respectivement anciens ministres des Finances, du Budget et de l'Urbanisme et de l'Habitat, ont dans leur déposition concordante et non contredite soutenu n'avoir jamais été informé qu'ils étaient membres d'une structure dénommée supervision et déclaré n'avoir jamais pris part à une réunion y afférente au cours de laquelle ils auraient parlé du marché d'érection de 1500 maisons préfabriquées attribuées à Samibo. En outre, des dépositions des témoins Nicolas Kazadi, Justin Kamere, Marcelin Bilomba, Badaga Afi et Bani Wessis de Jacques, ainsi que Peter Kazadi, tous membres de la coordination chargée du suivi du programme d'urgence suspendu, il ressort qu'aucune réunion portant sur le marché d'érection des maisons préfabriquées n'a été tenue. Mais seul Justin Kamere, jeune frère du prévenu, Badaga Afi et Bani Wessis de Jacques, originaire du territoire de Walungu et membre du parti politique INC comme le prévenu, ont reçu de manière informelle, c'est-à-dire sans qu'aucune réunion de la coordination soit régulièrement convoquée, les délégués de Samibo, prétendument, pour s'enquérir de la capacité de cette entreprise à honorer ses engagements. Par ailleurs, il n'est pas inutile de souligner que le témoin Henri Yves Moulang a, au cours de sa déposition soutenue, sans être contredit, que le prévenu Kamere, au-delà de sa correspondance, lui enjoignant de payer en procédure d'urgence
lui a fait comprendre par un appel téléphonique qu'il devait tout faire, même en recourant aux réserves d'échange, pour payer le prestataire. De ce qui précède, l'existence de l'intention criminelle dans les chefs du prévenu Kamere est également sans équivoque. Bien plus, le tribunal note que les deux prévenus ont directement coopéré pour perpétrer ces détournements. En effet, l'article 21 du Code pénal livre 1er dispose que sont considérés comme auteurs d'une infraction notamment ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution, ainsi que ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance. Today, your information is more exposed than ever. L'infraction n'y pu être commise. Ainsi, il est de jurisprudence que constitue une aide nécessaire, prévue à l'article 21 du Code pénal livre 1er, et sans laquelle l'infraction de détournement des deniers publics n'y pu être commise de la manière qu'il l'a été, la passation des marchés imaginaires en vertu duquel les fonds ont été utilisés en paiement. Cour suprême de justice, RP20/CR du 15 août 1979, in Odon Sundu, obsite page 36. Il a en outre été jugé que participe à l'infraction de détournement des deniers publics le prévenu qui, sur base des machinations et artifices, crée l'espoir d'une abondance matérielle et provoque la sortie de fonds d'argent dont il tire profit tel qu'il ressort des présomptions de culpabilité. Cette participation ne requiert pas nécessairement une volonté convergente. La seule conscience de provoquer l'infraction suffit. Cour suprême de justice, RPN 94, du 31 août 1984, in Odon Sumbu, obsite. Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu'exposés supra, la participation du prévenu Kamere en tant que co-auteur à la commission de l'infraction du détournement des deniers publics ne fait l'ombre d'un moindre doute. De tout ce qui précède, le tribunal dira, établit en fait comme en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 dollars américains, mis à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lankaningini Vital. En conséquence, les condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés. En outre, il prononcera les peines accessoires ci-après, à charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere Lankaningini Vital, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 2 137 500 dollars américains à charge de prévenir Sami Jamal et Kamere Lankaningini Vital. Le tribunal relève, au regard des pièces du dossier de l'instruction, que sans qu'un contrat soit régulièrement conclu entre la partie civile et la société Ousmal SRL, dont toujours le prévenu Sami Jamal est le gérant, le prévenu Kamere répondant à une commande adressée par ce dernier à la présidence de la République et sans que le ministre sectoriel soit impliqué, instruit le ministre des Finances de payer en procédure urgente 30% de la facture de 57 millions de dollars américains sous prétexte d'obtenir la livraison de 3000 maisons destinées aux militaires et policiers. Cependant, au vu des difficultés de la trésorerie, le ministre des Finances ne put que donner injonction à la Banque centrale de décaisser la somme de 2 137 500 000 dollars américains en faveur de la société Ousmane. Le tribunal note qu'il n'existe aucune preuve que ces fonds ont été utilisés pour passer la commande sus-indiquée. En plus, depuis lors, le prévenu Sami Jamal n'a livré les maisons pour... The Rich Dad, Poor Dad book by Robert Kiyosaki inspired me to work hard. Promise, se limitant à affirmer sans administrer ni promettre d'administrer la moindre preuve irrelative que 31 conteneurs se trouvent à Matadi. Entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, le témoin Chiwewe Christian, général-major et commandant de la garde républicaine,
a soutenu sans être contredit qu'aucun tchatchi se trouve érigé 211 maisons, faisant partie du lot de 300 maisons qui devraient être livrées dans le cadre du marché Samibo, et que la demande exprimée par les militaires d'avoir 700 autres maisons dans le cadre du marché Ousmal n'a jamais été satisfaite. Par ailleurs, le témoin Michel Ngongo Salumu, qui reconnaît avoir autorisé la passation de ce marché de gré à gré, mais soutient n'avoir jamais, comme l'indique sa correspondance versée au dossier, donné un avis de non-objection, pouvant ainsi rendre le dit marché régulier. Ainsi donc, comme dans le cas du marché Samibo, le prévenu Kamere est resté insensible au respect des règles impératives de passation des marchés publics et a autorisé le paiement en urgence de la facture de Ousmane. Au vu des dispositions légales et jurisprudentielles sus-évoquées, tous les éléments constitutifs de l'information de détournement des deniers publics sont établis en fait et en droit à charge des prévenus Sami Jamal et Kamere Lolkaningini Vital. En conséquence, le tribunal les condamnera chacun à 10 ans de travaux forcés ainsi qu'aux peines accessoires ci-après. À charge de Sami Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation ainsi que l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Kamere Lokaningini Vital, l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon, et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. C. Du détournement des deniers publics portant sur la somme de 1 154 800 000 $ américains à charge de prévenu Kamere Lokaningini Vital et Imoui Mando Lejano. De l'examen des pièces. Du dossier et de l'instruction de la cause. Il ressort que sur l'instruction du prévenu Kamere, le témoin Ngunda Muzumbu José, comptable public à la présidence de la République, a remis en date du 21 août 2019 la somme de 1 154 800 $ américains au prévenu Moui Mando Lejano, chef de division chargé de l'import-export à la présidence de la République, ce pour procéder au dédouanement des conteneurs contenant des maisons préfabriqués. Cependant, le tribunal note que d'une part, le contrat de fourniture des susites maisons n'ayant jamais été régulièrement conclu, l'avenant au contrat de Raviv 2018 n'ayant jamais reçu l'avis de non-objection, comme l'a indiqué le témoin Michel Ngongo Salumu, directeur général AI de la Direction générale de contrôle des marchés publics, et d'autre part, en lisant le susdit contrat en vertu duquel le prévenu Kamere prétend avoir donné ses injonctions, il est stipulé à son article 6 que les frais afférents à la parfaite exécution du marché sont à charge du prestataire. Bien plus, il fait observer qu'une exonération douanière en vertu d'une décision du ministre des Finances prise à la requête du même prévenu a été accordée à Samibo. Ainsi, il résulte de ce qui précède que c'est sans soubassement juridique, légal ou contractuel, que ce dernier a ordonné le décaissement de ses fonds du trésor public. En plus, le tribunal relève que le prévenu Moui Mando Lejano a reconnu avoir effectué des dépenses n'ayant aucun lien avec le dédouanement. En effet, il affirme avoir payé son titre de voyage et fait face aux frais relatifs à sa restauration et son logement avec l'argent prétendument destiné au dédouanement des conteneurs, alors que paradoxalement, il était détenteur d'un ordre de mission signé par le prévenu Kamere. Le tribunal relève que le prévenu Moui Mando Lejano, sans le prouver, des détails sur les dépenses par lui effectuées. De tout ce qui précède, qui vient d'être dit, et au regard des éléments du droit, des éléments de droit plutôt précédemment développés, le tribunal de séance constate que tous les éléments constitutifs de l'infraction de détournement des deniers publics sont réunis. Partant, il dira celle-ci établie, en fait et en droit, à charge de prévenir Kamere Lokaningini Vital et Moui Mando Lejano, et les condamnera chacun à 2 ans de travaux forcés. Il prononcera à leur charge en plus les peines accessoires suivantes. L'interdiction pour 5 ans, après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon,
et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. B. Du blanchiment des capitaux à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dispose en ses articles 6 et 38 alinéa 9.2 que tout transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des fonds, titres ou valeurs pour une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire. En outre, sont considérés comme blanchiment des capitaux les actes ci-dessous commis intentionnellement, la conversion, le transfert ou la manipulation des deniers dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite des dix biens, ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l'infraction à échapper aux conséquences juridiques de ces actes. La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle des biens. L'acquisition, la détention ou l'utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que les dix biens constituent un produit d'une infraction seront punis d'une amende dont le maximum est égal à 3 fois le montant de la somme blanchie. Ceux qui auront effectué ou accepté des règlements en espèces pour des sommes supérieures au montant autorisé par la présente loi ou les textes réglementaires pris pour son application et ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 relatives aux transferts internationaux de fonds. Il se dégage de ceux qui précèdent que l'infraction de blanchiment peut être perpétrée du fait tout simplement de transférer frauduleusement plus de 10 000 $ ou en dissimulant les fonds d'origine illicite. Ainsi, cette dernière infraction de blanchiment requiert pour sa consommation la réunion des éléments que voici. L'existence d'une infraction. Le blanchiment suppose la réalisation antérieure d'une infraction. Cependant, la jurisprudence précise qu'il n'est pas nécessaire que la dite infraction ait été punie. Il suffit donc que le juge de fond constate l'existence de cette infraction antérieure. Connaître l'argent et ses éléments. Les procédés de tout moyen utilisé pour donner une justification mensongère à l'origine des biens, fonds ou revenus. C'est donc le moyen auquel l'auteur recourt pour dissimuler ou déguiser l'origine illicite des dix biens, fonds ou revenus. Élément moral, c'est l'intention coupable qui nécessite que l'auteur ait pu se convaincre de l'origine illicite des biens, fonds ou revenus dissimulés. Dans le cas d'espèce, le prévenu Sami Jamal, qui reconnaît avoir reçu du trésor public à travers son compte logé à la Rawbank, la somme de 57 500 000 dollars américains, affirme avoir transféré au Liban plus ou moins 10 millions de dollars qui s'y trouvaient, ce sans avoir recours aux circuits bancaires officiels et légaux. Il en découle que par le simple fait d'avoir transféré à l'étranger plus de 10 000 dollars sans observer la réglementation prescrite à cet effet par la Banque centrale, le tribunal retiendra le prévenu Sami Jamal sous les liens de la première prévention du blanchiment des capitaux. En conséquence, il le condamnera à une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. Par ailleurs, le tribunal fait observer que les fonds que le prévenu Sami Jamal a transférés par des voies non officielles au Liban ont été prélevés sur ceux détournés qui pourtant étaient destinés à payer les fournisseurs des maisons préfabriquées, attendu dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Il note en outre qu'en procédant comme il l'a fait, les prévenus connaissaient bien l'origine illicite des 10 fonds qu'ils voulaient dissimuler. Il en découle que les éléments matériels et moraux de la seconde incrimination de blanchiment des capitaux sont réunis dans son chef. Partant, il la dira établi en fait et en droit et le condamnera à une servitude pénale principale de 10 ans et une amende égale à 2 fois la somme blanchie, soit 20 millions de dollars américains. E. De la corruption à charge du prévenu Sami Jamal. En droit, l'article 147 bis du Code pénal livre 2, tel que modifié et complété par l'article 2 de la loi numéro 05/006 du 29 mars 2005, dispose que sont constitutifs de corruption
Le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement des sommes d'argent, tout bien à une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un gain pour lui-même ou pour autrui, personne physique ou morale, en contrepartie de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir ou d'octroyer, directement ou indirectement, à un agent public ou à une toute personne, des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage, tel qu'un don, une faveur, une promesse ou un gain, personne physique ou morale, en vue de l'accomplissement ou de l'omission d'un acte dans l'exercice de ses fonctions. Le fait d'offrir, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, un avantage indu à une personne qui dirige un organisme du secteur privé ou est employée par ce dernier en quelque qualité que ce soit, ou le fait pour cette personne de solliciter ou d'accepter cet avantage indu, directement ou indirectement, à titre personnel ou pour autrui, pour qu'elle agisse en contravention de ses devoirs ou qu'elle s'abstienne d'agir. Le fait pour un agent public ou toute personne de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement un avantage indu pour lui-même ou pour autrui afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une administration, d'une autorité publique un avantage indu. L'usage, la dissimulation ou l'aliénation frauduleuse du produit ou des biens tirés de l'un des actes visés au présent article. Le fait d'utiliser la fraude pour échapper ou faire échapper autrui aux obligations fiscales, douanières et administratives. Enfin, l'enrichissement illicite. Il suit que toute personne, agent public ou pas, peut être coupable de corruption active lorsqu'elle corrompt, passive quand elle est corrompue. Il convient en outre de relever que l'article 149 du Code pénal tel que modifié à ce jour a ajouté les circonstances aggravantes à l'incrimination de corruption lorsque les actes de corruption ont été perpétrés en vue de gagner les marchés publics en violation de la procédure d'appel d'offres et des seuils fixés par la législation en matière de passation de marché de gré à gré. Aussi a-t-il été jugé que l'infraction de corruption est établie dans le chef du fonctionnaire dès qu'il est établi que celui-ci, à la suite d'une entente préalable avec son corrupteur, a agréé des dons et promesses, reçu des dons ou des présents, soit pour accomplir dans le cadre de son emploi un acte injuste ou pour s'abstenir de faire un acte qui entre dans le cadre de ses devoirs, soit pour commettre une infraction dans l'exercice de sa charge. Cour suprême de justice, RPA 22, du 1er février 1973, Odon Sumbu, Opsit, page 66. Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que le prévenu Sami Jamal, dont le contrat de fourniture de 900 maisons préfabriquées conclu régulièrement en avril 2018 au prix de 26 500 000 dollars américains avec le ministre du Développement Rural, n'avait pas prospéré, comme l'a soutenu le témoin Pierre Kangoudia Mbaï, ministre du Budget de l'époque. Pris contact avec le témoin Daniel Changaloum King alias Massaro, cousin du prévenu Kamere. Aussi fait-il remarquer qu'il fit en date du 23 janvier 2019, soit deux jours avant que ce dernier soit nommé directeur de cabinet du président de la République, cession d'une partie de sa parcelle située sous la baie d'Engaliema et mesurant 50 sur 100 mètres à mademoiselle Soraya Mpiana, belle-fille du prévenu Kamere. Le tribunal relève que dans sa déposition, faite au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, cette dernière a déclaré ignorer totalement cette cession. Cependant, le témoin Daniel Changaloumé King alias Massaro a, après avoir confirmé cette assertion, reconnu avoir délibérément donné le nom de Soraya Mpiana à son donateur, le prévenu Sami Jamal, qui a soutenu avoir fait cette offre à ce dernier pour le récompenser pour des marchés qui lui a fait gagner. En outre, alors qu'à l'audience publique du 11 mai 2020, ce dernier a déclaré n'avoir jamais rencontré le prévenu Kamere, le tribunal fait observer qu'au cours de l'audience du 4 juin 2020, il a confirmé les allégations du témoin Pierre Kangoudia Mbaï, selon lesquelles il l'avait trouvé un jour dans l'antichambre
du bureau du prévenu Kamere, prêt à être reçu par ces derniers. Aussi a-t-il ajouté qu'il a été reçu pendant 3 ou 5 minutes dans le cadre des démarches tendant à faire aboutir les dossiers du marché Samibo. Bien plus, le tribunal note qu'en date du 25 avril 2020, le prévenu Sami Jamal a encore fait cession de sa concession mesurant 70 sur 100 mètres située sur la baie d'Engalema et a une valeur de 100 000 $ américains à Soraya Mpiana, représentée devant le conservateur des titres immobiliers par Massaro. Aussi relève-t-il que ce dernier a déclaré que Mademoiselle Soraya ignorait toutes ses opérations. Cependant, le témoin Kilanga Langa, conservateur des titres immobiliers d'Engalema au moment des faits, a lors de sa déposition au cours de l'audience publique du 4 juin 2020, soutenu avoir opéré la mutation en présence des parties, Massaro ayant représenté sans être contredit par Sami Jamal, il a donc représenté Soraya Piana. Il a en outre dit avoir remis le titre de Jamal au témoin Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières et membre de l'UNC, le parti politique dont le prévenu Kamere est le président. Et celui établi au nom de Soraya Piana à Daniel Kanyemesha, chef de division du cadastre et proche du prévenu Kamere. En plus, pour battre en brèche les dénégations de ce dernier, le témoin Kilanga Langa a soutenu avoir annulé les certificats établis au nom de Soraya à la suite de la session du 23 janvier 2019, non pas à cause de l'opposition de ce dernier qu'il a mis au défi d'en produire la preuve, mais sur injonction du parquet saisi par Jamal pour corriger une erreur de l'emplacement du lieu cédé. Le tribunal relève que ce dernier n'a pas contesté cette affirmation. De ce qui vient d'être dit, il ressort que le prévenu Sami Jamal a fait toutes ses offres, non pas à Soraya Mpiana, mais certainement au prévenu Kamere, pour obtenir son implication dans l'attribution en sa faveur des marchés des maisons préfabriquées, dont la procédure a du reste été décriée supra. Ainsi, le tribunal dira, établi en fait comme en droit, les deux préventions de corruption mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamnera à une servitude pénale principale de 15 ans et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. De la corruption à charge du prévenu Kamere Lokaningin, sans qu'il soit nécessaire de reprendre les développements juridiques exposés si haut, le tribunal fait observer qu'il résulte des pièces du dossier et de l'instruction de la cause que le témoin Kilanga Langa a déclaré avoir reçu de Daniel Shangalume Kingi alias Massaro, cousin du prévenu Kamere, l'identité complète de Soraya Piana pour lui permettre d'établir les titres consécutifs aux cessions faites par le prévenu Sami Jamal et que ceux-ci ont été remis à un proche du prévenu Kamere, en l'occurrence M. Daniel Kanyemesha. Il en découle que le prévenu Kamere, par son silence, a bel et bien accepté ses offres qui, du reste, l'ont même poussé à ne pas observer la procédure légale prescrite en matière de passation des marchés publics comme plus haut démontré. Ainsi, pour le tribunal, l'infraction de corruption aggravée est également établie en fait et en droit à sa charge. Par conséquent, il le condamnera à 15 ans de servitude pénale principale et à une amende de 1 million de francs congolais constants ou 6 mois de servitude pénale subsidiaire. Par ailleurs, l'article 20 du Code pénal livre premier dispose que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsqu'il y a concours de plusieurs faits constituant chacun une ou plusieurs infractions, le juge prononcera une peine pour chaque fait et il cumulera les peines prononcées sous réserve de l'application des dispositions suivantes, notamment la peine de mort et la peine et la servitude pénale à perpétuité absorbe toute peine privative de liberté et la somme des peines de servitude pénale à temps ne pourront dépasser 20 ans. Ainsi, il est de jurisprudence que sont en concours matériel les infractions qui ne sont pas liées par l'unité d'intention. Cour suprême de justice RP23/CR du 26 janvier 1981, in Odonsumbu, opsit page 23. Aussi relève le tribunal ne sont en concours idéal que les infractions de blanchiment de capitaux commises
par le prévenu Sami Jamal, car lié par l'unité d'intention criminelle, tandis que toutes les autres infractions sont en concours matériel. Il en découle que pour celles qui sont en concours idéal, le tribunal fera application du principe de la plus haute expression pénale, alors que pour les autres, il cumulera les peines sans préjudice des restrictions légales sus-évoquées. Par ailleurs, le tribunal note que du prescrit de l'article 14 du Code pénal livre 1er, il ressort que la confiscation spéciale s'applique aux choses qui ont été produites par l'infraction. À ce propos, la doctrine enseigne que les choses produites par l'infraction peuvent toujours être confisquées, quel que soit le propriétaire, et elle précise que d'une part, le prononcé de la confiscation est une obligation pour le juge qui ne peut se dispenser de l'infliger parce qu'il existerait des circonstances atténuantes, et d'autre part, la confiscation n'est pas subordonnée à l'existence de la saisie préalable. Les juges devront tout simplement vérifier si les conditions qui la prescrivent sont réunies. Mineurs, obsite, pages 32 et 53. Dans le cas sous examen, les tribunaux relèvent que les prévenus et leurs proches se sont illicitement enrichis en acquérant, concomitamment avec la commission des infractions, certains biens qui, indubitablement, au vu des professions et revenus normaux de leurs propriétaires, que ceux-ci peuvent leur procurer, sont les produits des dites infractions. Dès lors, comme l'a requis l'organe de la loi, il prononcera leur confiscation. En outre, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que l'arrestation immédiate peut être ordonnée s'il y a lieu de craindre que le condamné ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine et que celle-ci soit de 3 mois de servitude pénale au moins. Dans le cas d'espèce, les tribunaux relèvent qu'étant condamné à 2 ans ferme de travaux forcés, le prévenu Mouhim Andole Janon risque de se soustraire par la fuite à l'exécution de cette peine. Ainsi, il ordonnera son arrestation immédiate. De tout ce qui précède, il recevra l'action civile, la dira fondée et allouera à la partie civile les dommages intérêts qu'il fixera en toute équité à l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains, estimant que le montant de 200 millions de dollars sollicité est exorbitant. Néanmoins, il n'ordonnera pas la restitution telle que sollicitée par la partie civile, motif pris de ce que les fonds détournés ne sont pas saisis. En effet, il a été jugé que d'ordre public et entraîne cassation partielle avec renvoi. Les moyens pris de la violation de l'article 15 du Code pénal livre 1er, en ce que l'arrêt a ordonné la restitution des biens non saisis. Cour suprême de justice, RP 360-361 du 29 juillet 1980, in Odon Sombu, obsite page 50. S'agissant de l'action réconventionnelle introduite par le prévenu Sami Jamal, bien que recevable, elle sera déclarée non fondée en ce que les faits mis à sa charge sont établis. De tout ce qui vient d'être dit, le tribunal condamnera le prévenu au fait de la présente instance à raison du tiers ou chacun. Par ces motifs, le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu la Constitution de la République, spécialement sur l'article 162, vu la loi organique numéro 13-011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, vu le code de procédure pénale, vu le code pénal en ses articles 5, 14, 145 et 147 bis, vu la loi numéro 04-016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à ses articles 1.1, 6, 37 et 38, alinéa 9.2, vu la loi numéro 10-010 du 27 avril 2010 relative au marché public, vu le décret loi numéro 017-2002 du 3 octobre 2002 portant code d'éthique de l'argent public, vu le décret numéro 10, numéro 10-22, du 2 juin 2010, portant manuel des procédures de la loi relative au marché public, vu l'arrêté d'organisation judiciaire numéro
299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets en son article 150. Le ministère public entend, reçoit les déclinatoires de compétences soulevées par le prévenu Sami Jamal, mais le dit non fondé. En conséquence, le rejette et se déclare compétent. Reçoit mais dit non fondé la fin de non-recevoir tirée de l'obscurité du libellé soulevée par le même prévenu. En conséquence, la rejette. Dit irrécevable l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les prévenus Sami Jamal et Kamir Elokaningini Vital. En conséquence, dit qu'il n'y a pas lieu à surséance. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 148 000 $ américains à charge des prévenus Sami Jamal et Kamir Elokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 20 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamir Elokaningini Vital. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. La privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus. L'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait et en droit l'infraction de détournement des deniers publics portant sur le montant de $2,137,500 à charge des prévenus Sami Jamal et Kamir Elokaningini Vital. En conséquence, les condamne chacun à 10 ans de travaux forcés et prononce en outre l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne les prévenus Kamir Elokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux prévenus, l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine contre le prévenu Sami Jamal. Dit établi en fait comme en droit à charge de prévenir Kamere, Lokaningini Vital et Mouy Mandole, Janon, l'infraction de détournement des deniers publics portant sur la somme de $1,154,800. En conséquence, les condamne chacun à 2 ans de travaux forcés et prononce en outre contre tous deux l'interdiction pour 5 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Dit établi en fait et en droit les deux préventions de blanchiment des capitaux mises à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne pour la première à une amende de $20 millions et pour la seconde à 10 ans de servitude pénale principale et une amende de $20 millions. Dit établi en fait et en droit l'infraction de corruption mise à charge du prévenu Sami Jamal et le condamne en conséquence à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de $1 million constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit également établi en fait comme en droit la prévention de corruption à charge du prévenu Kamir Elokaningini Vital et le condamne à une servitude pénale principale de 15 ans et une amende de $1 million constant ou une servitude pénale subsidiaire de 6 mois. Dit que les deux infractions de blanchiment de capitaux commises par le prévenu Sami Jamal le sont en concours idéal. Par conséquent, prononce l'unique peine la plus forte, soit 10 ans de servitude pénale principale et une amende de $20 millions. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamir Elokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumule les peines et prononce à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamir Elokaningini Vital, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et para-étatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation à charge de tous les deux, l'expulsion définitive du territoire de la République
après l'exécution de la peine à charge du prévenu Sami Jamal, ordonne la confiscation des fonds contenus dans les comptes des nommés Amida Chatir, Soraya Mpiana et Shangalou Mekingi Daniel alias Massaro, ainsi que des propriétés immobilières acquises avec les fonds détournés et qui sont couvertes par les titres ci-après établis au nom des personnes suivantes. Le contrat de location numéro 1348/2019 AD 44988 commis d'Engaliema au nom de Shangaloume Daniel. Le certificat d'enregistrement AKN 11 folio 46 AD 193 commis de Kassavubu au nom de Mpiana Daïda. Le certificat d'enregistrement AGL 547 folio 171 AD 5082 commis de Lagombe au nom de Shangaloume Daniel. Le certificat d'enregistrement A/ML01/179 AD commis de Maloukou au nom de Mayoutou Namouissi Dieudonné. Le certificat d'enregistrement NN45/33 AD 71860 commis de Lancelé au nom de Amida Chatur Kamere. Le certificat d'enregistrement AGL 547/56 AD 5807 commis de Lingwala au nom de Shangaloume Daniel. Et le contrat de cession entre Jamal Samif et Soraya Mpiana, AD 44196, commune de Ngaliema. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mouima Ndole Jeannot. Reçoit et dit fonder l'action civile en conséquence. Condamne le prévenu in solidum à payer à la partie civile la somme de l'équivalent en francs congolais de 150 millions de dollars américains à titre de dommages et intérêts. Reçoit et dit fonder la demande réconventionnelle du prévenu Sami reçoit, mais dit non fondée, la demande réconventionnelle du prévenu Sami Jamal. Condamne chacun des prévenus à payer un tiers des frais d'instance payables dans les délais légaux. À défaut, ils subiront une contrainte par corps de 30 jours. Par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe. ICA en matière répressive au premier degré, à son audience publique du 20 juin 2020, à laquelle ont siégé les magistrats Bakenge Vita, président de chambre, Kasunda Ngeleka et Mukaya Kayembe, juge avec le concours de Lumbu Kachewa, officier du ministère public, et l'assistance de Nyamakila, greffier du siège. L'extrait des rôles étant épuisé, l'audience de séjour est levée.